Tu vois, cette pomme, elle peut être une sphère parfaite ou allongée comme un citron. Ça dépend du plan d'inclinaison de la table. Tu éloignes ou tu rapproches. Les lignes de fuite. C'est bon, j'ai compris. Te vexes pas? Je me vexe pas. J'aime pas la géométrie, c'est plein de règles. Et toutes ces lignes, ces plans. C'est la prison. Parlez-moi des artistes que vous avez connus. De qui tu veux que je te parle? Je sais pas, dites-moi des noms. Bonnard, Matisse, Max Jacob. Max Jacob? Oui, il n'est pas seulement écrivain, il dessine aussi. Des choses très drôles, des monstres biscornus. Je me souviens d'une toile qu'il a faite sans peinture. Rien qu'avec de la terre, de l'herbe et de la salive. De la salive? Oui, craché sur la toile. Vous l'aimez bien? Ah, c'est l'homme le plus drôle que j'ai jamais rencontré. Il a un rire énorme et fait rire tout le monde. Le nom de Max, c'est à cause de lui? Sous-préfet à Châteaulin dans le Finistère, c'est pas une vie trépidante. Je dessinais beaucoup, il s'est intéressé à ce que je faisais. Il m'a présenté des amis à lui, on s'est revus souvent, à Montparnasse. Et qu'est-ce qu'il dessinait, Jean Moulin? Rien. C'est pas Jean Moulin qui dessinait, c'était Romanin. Vous aviez un pseudonyme? Un préfet qui fait l'artiste en haut lieu, c'est pas très bien vu. Jean Moulin, Max, Romanin. Vous vous y retrouvez avec tous ces noms? J'essaye. Merci, Georges, pour tout ce que tu fais pour moi. Sois sans crainte, Jean, tout va bien aller. Je prends soin d'elle. Bonne chance. T'inquiète pas. Des mentors de Londres, je viens te chercher. Est en train de se constituer plus au sud, dans le massif du Vercors. C'est très isolé. C'est une véritable forteresse naturelle, je l'ai inspectée. Si on peut y installer quelques centaines d'hommes et des mortiers, les Allemands devront engager la moitié d'une division pour la déloger. Et l'encadrement? Ce sont les anciens officiers de l'armée d'armistice, enfin, dans la mesure du possible. Le gros problème, c'est le ravitaillement.
On fait ce qu'on peut avec les moyens du bord, mais... Sans parachutage massif d'armes, nous ne pourrons pas tenir. Je sais, nous aidons déjà beaucoup de maquis en Grèce et en Serbie. Quand vous débarquerez en France, nos hommes pourront harceler les arrières de l'armée allemande, les empêcher de se regrouper. Ils feront le travail qu'auraient fait 100 000 parachutistes déjà au sol. Tout cela est excellent, mais... Je dois vous annoncer une nouvelle qui ne va pas vous faire plaisir. Je ne suis désolé, Corey Lepien. Le débarquement n'aura pas lieu cette année. Vous débarquerez en 44. Ah, si tout va bien. Nous aurons donc quelques mois de plus pour nous préparer. Les Américains ne veulent pas de moi. Ils sont légalistes. Pour eux, vous êtes un rebelle. Non, ils préfèrent le général Giraud. Avec lui, ils seront tranquilles. Il leur obéira. Il a toujours obéi à tout le monde. Vous ne pouvez pas laisser faire ça. Giraud n'a aucun sens politique. C'est une marionnette. Ça va mal, Moulin. Ça va très mal. C'est vrai, mon général. C'est pour ça qu'il faut contre-attaquer. Même Churchill me lâche. C'est foutu, Moulin. Je vous dis que c'est foutu. Vous devez leur prouver que les Français sont derrière vous et qu'ils vous soutiennent. Quels Français? Les mouvements de résistance? Votre freiné attend la première occasion de rallier les Américains et de se débarrasser de moi. Mon général, si on réunit un conseil de la résistance sur le territoire français, avec des représentants des mouvements des deux zones, des syndicats, de tous les partis politiques, s'ils s'engagent derrière vous, les Américains sont des gens réalistes, ils s'inclineront. On va réintroduire les anciens partis politiques dans le jeu? Je pense la même chose que vous, mon général. Ils portent une lourde responsabilité dans notre désastre de 40. Mais d'un autre côté, ils sont prêts à vous soutenir sans condition. Ils vont se refaire une virginité sur mon dos et ensuite? Ils auront une dette envers vous. Non, vite oublié. Remarquez, ça me permettra de leur rafraîchir les mémoires. Et quel pouvoir on va lui donner à ce conseil de la résistance? Un pouvoir de proposition. Vous assurerez la présidence de ce conseil et vous leur tiendrez la bride serrée. Je vous fais confiance. Vous pouvez compter sur moi. Je ne savais pas que vous aviez pris des contacts avec les mouvements de la zone nord. Je croyais vous en avoir parlé. Eh bien, disons que nous en parlons. Vous connaissez la question mieux que personne. Vous serez mon représentant pour l'ensemble du territoire métropolitain. Ça vous va? Tout à fait, mon général. À votre santé, monsieur le ministre. Oui, j'ai décidé de vous nommer aussi membre du Comité national français à Londres. Évidemment, ça restera secret. Question de sécurité. Mon général, je ne sais si... Écoutez, Moulin, vous savez ce que je pense de vous, et je sais ce que vous pensez de moi. Alors, goûtons ce cognac. Demain, en fin de matinée, j'enverrai une voiture vous prendre à votre hôtel. Une petite cérémonie, moi. Rassurez-vous, nous serons entre nous. Caporal Mercier, nous vous reconnaissons comme notre compagnon pour la libération de la France, dans l'honneur et par la victoire. Kleine gerade Schrift. Dieser Mann ist gut organisiert. Und präzise. Telefonat mit M, Mittagessen mit M,
Fotos für die Papiere von M. Dieser M, das ist wohl sein Chef. Unsere Leute in Lyon haben interne Berichte der Gruppe Combay in die Hände bekommen. Der Name Max kommt darin öfter vor. M oder Max, das bringt uns leider nicht weiter. Max ist der Mann, den de Gaulle nach Frankreich geschickt hat. Wir brauchen diesen Max. Und zwar so schnell wie möglich. Excuse-moi, Mister. Nelly, ma chérie, ça fait des semaines que j'essaie de te joindre. J'ai un peu voyagé, je te raconterai. Le commandant Otto von Ebrenard. Chanté. Du Venezuela, je t'en ai parlé. Elle a insisté pour que je vienne prendre le thé et j'ai eu mal pour m'en débarrasser. Gilbert, j'ai besoin de toi. J'ai un service à te demander. T'es pas obligé d'accepter. Je suis sans nouvelles d'un ami qu'on vient d'arrêter. Un ami proche? Je ne vous ai pas vu au mariage des Delaunois samedi. Nous n'étions pas invités. Un léger froid depuis quelques mois. C'était comment? Somptueux. 500 personnes. Ils avaient loué le théâtre de la Madeleine. Un théâtre pour un mariage? C'est un peu excessif, non? Justement, c'était très intime. Les gens étaient par petits groupes. Ça restait très sobre. Sauf ceux qui se sont précipités sur la scène pour être aux premières loges. Ils étaient un peu plus voyants, ceux-là. Excusez-moi. Je vous accompagne. J'ai honte. Mais de quoi? De vous donner un spectacle. À chaque fois que j'ai une contrariété, j'ai une quinte de tout. Ça doit être une punition. De qui? De Dieu, qui en voulez-vous que ce soit. Je vais m'en aller par la porte de service. Vous m'excuserez auprès de nos amis. J'ai un rendez-vous important. Un de mes oncles a été arrêté. J'attends des nouvelles. C'est ça, votre contrariété? Oui. Je peux faire quelque chose? Oh non, c'est vraiment gentil, mais je ne vais pas vous ennuyer avec mes problèmes. Vous avez certainement des vôtres, non? Merci. Bon. Merci. Si vous me donnez le nom de votre oncle, je peux peut-être faire quelque chose. Henri Malès. Qu'est-ce qui s'est passé? Mon ami Henri se porte bien. Il n'a pas été torturé. Ça veut dire qu'il a parlé. Ah.
Excuse-moi. Arrête. J'aime pas quand tu t'excuses. Tu es devenu un étranger. Tu te rappelles un jour au début de la guerre, quand on faisait l'amour et qu'on a été surpris par des bombardements? Je me suis jamais sentie aussi bien. Aussi libre. Les autres se battaient et nous, on était en paix. Ce jour-là, il ne pouvait rien nous arriver. Et maintenant? Maintenant, j'ai peur. De quoi? De toi. Pourquoi? Parce que j'ai compris ce que tu faisais. Enfin, je veux dire, ton véritable rôle dans la résistance. Tu crois pas que tu exagères un peu? Jean, je suis juive. Juive? Oui. Je suis née juive. J'ai peur rien. Pourquoi tu me l'as jamais dit? Mais parce que ça n'avait pas d'importance. Parce que je l'avais oublié. Jean, tu me fais prendre trop de risques. Tu veux dire en allant voir Nelly? Non. Tout le temps, j'ai tout le temps peur. J'ai peur qu'on nous arrête. J'ai peur des camps. J'ai peur de ce qu'on raconte. Partons, Jean. Tous les deux, n'importe où. Amène-moi loin d'ici. J'en peux plus. Mon amour. Je t'aime. Mais je peux pas. Tu te rends compte de ce que tu me dis? J'ai pas envie de mourir, moi. J'ai envie de vivre. Mon amour, je veux pas te perdre, mais je peux pas. Je peux pas tout lâcher comme ça maintenant. Je dois rester ici. Si tu veux, je peux te faire partir pour Londres. Et de là... Tu m'abandonnes? Tu me laisses tomber? Va-t'en. Vous avez un outfight? Non, je suis désolé. Je cherche mon fils. Depuis des mois, il a disparu. Je fais toutes les rues, tous les jours. Je le trouve pas. Outfight! Quand un gosse fiche le camp de chez lui, d'habitude, il laisse un mot. Je suis sûr qu'il est là quelque part. À nos épiers. Venez. À nous deux. On va lui mettre la main dessus. On le retrouvera, c'est sûr. Il doit être là-bas. Il me semble entendre. On le ramènera à nous. C'est une trottel. Vorwärts. Laten. Delco est débranché, ça fait toujours ça. Comment vous avez su? Ça fait 3 jours que tu te prépares. 3 jours que je t'observe.
Tu ne laisses rien au hasard, toi. Vous n'avez pas le droit de m'emprisonner. Mais je t'emprisonne pas, j'essaie de te sauver la vie. Tu sais très bien que si tu retournes là-bas, les Frisés ne te louperont pas. C'est moi qui les louperai pas. Ils ont fusillé mes meilleurs copains. Ils avaient à peine 20 ans. Ils ont tué mon premier amour sous mes yeux. Il faut que j'aille me battre. De toute façon, je me sauverai. Vous ne pourrez pas m'en empêcher. Dites-moi, Blanchard. Oui, patron. Quand vous avez besoin de vous changer les idées, qu'est-ce que vous faites? Je vais au cinéma. Et ça marche? Bon, ça dépend du film. Non, papa. Je ne suis pas garçon. Pas fort pour qu'on m'appelle Raymond. Mais je possède, c'est parfait, ce nom qui plaît. Wir müssen ihrem Widerstand das Rückgrat brechen. Den Aufbau des Netzes haben wir nachvollzogen. Alle Anführer sind identifiziert. Und Max, was haben Sie über ihn? Nicht viel. Er war in London und kehrt gerade nach Lyon zurück. Sagen Sie mir, was Sie brauchen. An Leuten, an Geld. Ich werde Ihnen alle Mittel zur Verfügung stellen. Ich glaube nicht, dass es eine Frage der Mittel ist. Was haben Sie vor? Warten. Hier, bitte. Jeden Tag bekomme ich davon an die 100. Was ist das? Denunziationsbriefe. Die Franzosen benutzen uns, um untereinander ihre Rechnungen zu begleichen. Max ist ein sehr vorsichtiger Mann. Nur Verrat kann ihn zu Fall bringen. Voiture numéro 5. Je voulais pas que vous manquiez ça, patron. C'est la quatrième fois en deux semaines qu'il va à Berlin. Il a certainement une idée derrière la tête. Si tout se passe comme d'habitude, Freinet va venir l'accueillir. Ça sent le coup fourré, je vous dis. À chaque fois, ils parlent deux minutes et ils repartent chacun de leur côté. Ah, cette fois. Ah bon? Qu'est-ce qu'ils font? Bénouville ouvre une serviette. Il remet un dossier à Freinet. Il a l'air très intéressé, Freinet. Poignée de main chaleureuse. C'est un émotif, ce Freinet. Vous avez poignardé le général de Gaulle dans le dos. Nous avons simplement essayé de trouver de l'argent. Vous avez pris contact avec l'ambassade américaine en Suisse, sans nous prévenir. Nous ne pensions pas que... Ce sont nos alliés, ce n'est pas un crime. Pourquoi vous ont-ils donné 1 million? Nous leur avons fourni des renseignements sur les troupes allemandes en France. Des renseignements qu'ils auraient eu gratuitement si vous les avez donnés au général de Gaulle. Ce que vous ne supportez pas, c'est qu'on puisse se passer de vous. Vous savez très bien que les Américains préfèrent Giraud à de Gaulle. Alors, sur les conseils de votre ami Bénouville, qui connaît si bien la Suisse, vous avez voulu miser sur le bon cheval et vous débarrasser de De Gaulle. C'est humain, je le reconnais.
Seulement, ça s'appelle une trahison. Mais vous savez plus ce que vous dites, Max. C'est vous qui savez plus ce que vous faites. C'est plus grave. Je vais faire un rapport. Je vais l'envoyer à Londres. Vous répondrez de vos actes. Très bien. Puisque vous le prenez comme ça, je n'assisterai pas à votre conseil de la résistance. Le général de Gaulle vous gêne. Son représentant vous gêne. Sans eux, vous êtes persuadé que vous seriez le chef de la résistance intérieure. C'est ça? Tant pis pour vous. Autre chose à ajouter? Très bien, la séance est levée. Je vais vous expliquer. Il n'y a rien à expliquer. Accordez-moi une minute. Pas le temps. Nous avons toujours été des gaullistes irréprochables. Vous êtes gaulliste quand vous ne pouvez pas faire autrement. Je ne vous permets pas de mettre en doute. Je sais qui vous êtes, Bénouville. Je sais ce que vous êtes capable de faire. Moi aussi, je sais qui vous êtes. Un politicien à la gauche de la gauche. J'ai toujours défendu la République, vous avez toujours été du côté des fascistes. J'ai toujours été du côté de la France. Nous n'avons pas les mêmes valeurs. Arrêtez, Bénouville. À force de vivre dans l'imposture, vous finissez par croire à vos mensonges. Et vous vous prenez pour qui? Vous vous croyez investi par Dieu? Et vous, vous êtes investi par qui? Je suis membre du comité directeur de combat. Je représente la résistance. Je vous interdis de parler au nom de la résistance. Vous n'avez rien à m'interdire. Vous n'êtes qu'un petit fonctionnaire appointé par les gens de Londres. Vous avez lâché Vichy quand vous avez senti le vent tourner. Ambitieux, sans scrupules, fanatique, voilà ce que vous êtes. Dites-vous bien une chose, Bénouville. Vous m'en trouverez toujours sur votre chemin. Je m'attends à être trahi à tout instant. Je suis recherché maintenant par Vichy et par la Gestapo. Qui, grâce aux méthodes de certains éléments des mouvements, n'ignore rien de mon identité et de mes activités. Ma tâche devient de plus en plus délicate. Alors que les difficultés ne cessent d'augmenter. Je suis décidé à tenir le plus longtemps possible. Blanchard, c'est les Boches. Faut planquer la radio. De bravo, Blanchard. Tu m'as pas dit un mot depuis qu'on est parti. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça fait des mois qu'on s'est pas vu. Tu pourrais me raconter. Mais qu'est-ce que tu veux que je te raconte? Il y a des fois où je me demande si on est vraiment frères et sœurs. Et moi, tu sais ce que je me demande? Non, je sais pas ce que tu te demandes. Si t'es aussi rapide que moi au démarrage. Non, c'est pas vrai. Jean ! Attends-moi ! Jean ! Jean ! Je suis allée jusqu'à l'entrée du village. Il y a rien, tout est calme. T'es sûr que tu deviens pas un peu paranoïaque? Je suis obligé de prendre des précautions. T'as reçu une lettre. Elle vient de Suisse. Qu'est-ce que c'est? C'est mon ami Georges. Il me parle de la petite Alice. La jeune fille de la montre? Elle leur a faussé compagnie. Elle n'écoute rien ni personne. Elle veut se battre. Qu'est-ce qu'il y a?
J'arrête pas de penser à elle. J'arrive pas à m'y faire. Faut que tu dormes. Demain, tu pars tôt. Écoute, là. Cette nuit, si quelqu'un frappe à la porte, tu descends. Tu demandes des explications avant d'ouvrir. Si c'est les gendarmes, j'irai dans la cour. Et avec l'échelle, je filerai par les jardins. Au revoir, ma petite maman. Au revoir, mon fils. Fais attention à toi. À bientôt. Jean. Jean. Oui. Tu l'as oublié sur la table. Tu reviens quand? Je ne sais pas. Je vais faire quelque chose de très difficile. Quand j'aurai réussi, comme j'espère, je passerai de l'autre côté de la Manche pour me faire oublier quelque temps. Je peux t'écrire? Surtout pas. Même si maman tombait malade, même si elle venait à mourir, on choisirait les obsèques pour m'arrêter. Je vous remercie d'avoir répondu à l'appel du général de Gaulle. Permettez-moi d'ouvrir cette première séance du Conseil de la Résistance en vous rappelant les buts de la France combattante tels que les a définis son chef. Faire la guerre, rendre la parole au peuple français, rétablir les libertés républicaines, dans un État d'où la justice sociale ne sera point exclue, travailler avec les alliés, à l'établissement d'une collaboration internationale réelle, sur le plan économique et spirituel, dans un monde où la France aura regagné son prestige. Messieurs, je vous demande de voter à main levée. La motion proposée par le représentant des démocrates populaires est adoptée à l'unanimité. Je vous remercie au nom du général de Gaulle. Il faut absolument que je te parle. Qu'est-ce que c'est que ces manières? Éloigne ton ami. Lucien, s'il te plaît, 2 minutes. Qu'est-ce que t'as de si important à me dire? Je viens te chercher. Maintenant, je suis libre. J'ai fait ce que j'avais à faire. On peut partir à l'étranger, dès demain, si tu veux. Tu seras en sécurité, je te le promets. Viens avec moi, Gilberte. Jean, c'est trop tard. J'ai été égoïste, pardonne-moi. Mais pour la première fois de ma vie, je suis prêt à faire n'importe quoi par amour. Je me suis mariée. Quand? Le 22 mars dernier. Mariée ou pas, ça change rien. Jean, je crois que tu n'as pas tout à fait compris. Toi et moi, c'est fini. Laisse-nous une chance. Bon, maintenant, ça suffit. Sortez, monsieur. S'il vous plaît. Prenez soin d'elle. Ne va pas à Lyon, Jean. Les Boches ont retourné un type de combat. Ils balancent tout le monde. Il y a des malheureux qui commencent à parer. Ils vont finir par remonter jusqu'à toi. À Paris, t'arriveras à rien. Je m'occuperai de toi. Je vais à Lyon parce que dès que j'ai le dos tourné, Freinet et les autres font n'importe quoi. Mais t'as pas le droit de parler comme ça. Si tu tombes, c'est toute la résistance. Je serai de retour avant un mois. Ça ira. On la boira ensemble, à la Saint-Jean, le 21 juin. Fais attention à toi, quand même.
Attendez, je peux passer. Attention. Alice. C'est excitant d'ordonner un enlèvement ? Ne dis pas n'importe quoi, Alice. Je dis pas n'importe quoi. On m'a forcé à venir ici. Quand on force les gens, j'appelle ça un enlèvement. Je me demande si tu réfléchis des fois. Pourquoi ? Comment pourquoi ? Je t'avais dit de pas bouger et que je viendrais te chercher. T'es pas mon père. Et alors ? T'as aucun droit sur moi. Si ! J'ai le droit d'empêcher de faire des conneries. Quand on s'est fait arrêter, la moindre des choses, c'est de se mettre au vert. Ah, la prudence, évidemment, la prudence. La prudence ! C'est la première règle. Dans ta résistance, pas dans la mienne. Qu'est-ce que tu racontes ? Mais tu veux pas comprendre, on est pas dans le même camp. Il y a ceux qui crèvent les boches et ceux qui donnent des ordres. Parce que tu crois qu'il suffit de tuer deux ou trois amants pour gagner la guerre ? Non, mais il faut aussi en tuer deux ou trois de temps en temps. Et c'est pas si facile que ça. J'ai jamais dit le contraire. Seulement, tu peux toujours en tuer 10 000, 100 000. S'il y a pas une organisation derrière, ça servira à rien. À rien, tu m'entends ? Oh, les bouts de scouilles, on a marre ! Alice ! Mais j'en ai marre de ce mec, assis à leur bureau, qui peut pas l'ouvrir sans faire la soie à terre entière. Depuis 2 ans, j'ai donné chaque minute de ma vie. J'ai tout sacrifié, tout. À ton avis, pourquoi ? Par omission. Les types qui voulaient faire carrière, il y a 2 ans, ils n'entraient pas dans la clandestinité. Non. J'ai fait ça parce que je crois à la République, à la liberté. Je crois que les hommes ont droit au bonheur. Ici et maintenant. Ces valeurs-là, on m'en a nourri dès l'enfance. Elles me viennent de mon père, alors j'y tiens. Maintenant, je suis le bureaucrate le plus recherché de France. Je sais pas si je vais tenir encore longtemps. Mais ce que je souhaite, très fort, c'est que tu vives après la guerre. Encore longtemps après la guerre. D'accord ? Tu vas ramasser tes affaires. Blanchard va t'accompagner dans le maquis du commandant Manuel. Général de Lestrin ? Oui. N'oubliez pas que vous êtes Vidal, et plus de Lestrin. C'est pour me dire ça que m'avez donné rendez-vous ? Oui. Vous m'inquiétez. Je viens de vous piéger. L'autre jour, vous êtes descendu dans un hôtel sous votre véritable identité. Disons que c'était une erreur, un oubli. Justement, je vais vous éviter ces oublis. Écoutez, je vais à Paris, je ne veux pas au bout du monde. Paris est peut-être la ville la plus dangereuse du monde. Ça m'est bien donné des sons, vous, hein ? Moi ? On me l'a souvent reproché, mais c'est faux. C'est ma façon de parler qui l'a supposé. Bien sûr. Dites-moi, Max, vous croyez en Dieu ? Vous savez, après la guerre, tout va changer. Ce qui est impossible aujourd'hui deviendra impossible. Chéri, dépêche-toi, ton train part dans 10 minutes. Tu me rejoins quand ? Dans 2 jours. C'est long. Mais il n'y avait plus qu'une place. Sinon, je t'aurais accompagné, tu sais bien. Attends. Tiens. Avec ça, t'auras moins de chances d'être reconnu. Je t'aime. Moi aussi. Mais dépêche-toi.
de l'État français. Et moi, fonctionnaire de l'État allemand. Cette arrestation est illégale. J'ai une relation, je vous préviens. Et bien comme ça, il y aura du monde à ton enterrement. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu travailles pour les Boches maintenant? J'ai pas le choix. Je sens ma peau. Pourriture de merde. Allez. L'exactitude militaire. Bonjour, vous êtes Vidal? Oui. Bon, Hardy n'a pas pu venir, l'endroit n'est pas trop sûr, mais nous allons vous conduire jusqu'à lui. C'est que j'ai rendez-vous dans une demi-heure et de la pompe. C'est pas grave, on vous déposera. Bien. Montez. Und jetzt gehen Sie juridisch zu sein. Bonjour, monsieur Hardy. Montez. Monsieur Hardy. Montez. Je connais bien, monsieur Hardy. Vous êtes né en 1911 dans un petit village de Normandie. Vous êtes devenu maître d'école, mais vous n'avez pas appris longtemps à lire aux petits-enfants. Vous aimez avoir de l'argent, aller dans les bons restaurants. Qu'est-ce que ça peut vous foutre? Pourquoi vous vous énervez? Parce que vous me faites chier avec vos conneries. Ne soyez pas vulgaire, monsieur Hardy. Je sais que vous n'aimez pas que l'argent. Vous avez rencontré une jeune femme très belle. Vous l'aimez beaucoup, je crois. Elle n'a rien à voir avec tout ça. Vous êtes sûr? Qu'est-ce que vous voulez? Vous évitez des ennuis. Comment avez-vous su pour le général? Par son secrétaire. Il le tient de la femme de Vidal. Vous avez des précisions? Il s'est fait prendre à la station muette à Paris. C'est tout. L'arrestation du général de Lestra a décapité l'armée secrète. Le temps que l'on lui trouve un successeur, on va... Vous pouvez me trouver un endroit sûr pour faire une réunion? Ça pourrait être possible. Pas dans Lyon. Tous nos lieux sont connus des Allemands. Dans la banlieue. La banlieue proche. Pour qu'on perde pas de temps en transport. J'ai un ami médecin à Calais. D'accord. Surtout pas un mot à ceux de combat. S'ils savent qu'il y a une réunion d'état-major, ils vont tenter de prendre la tête de l'armée secrète. C'est Aubry, le chef d'état-major. Il est de combat. On peut pas faire la réunion sans lui. Alors prévenez-le au dernier moment. Prenez. À tout à l'heure, mon ami. Je croyais qu'il t'avait fusillé. J'ai réussi à leur filer entre les pattes. J'ai vu que Multon était dans le train. Depuis qu'il s'est fait poisser, cette ordure travaille pour les Boches, tu sais. J'ai compris que ça sentait le roussi.
Je me suis planqué dans les toilettes. Je me suis débarrassé de mon appareil à microfilm et... j'ai attendu que le train rentre dans la gare de Mâcon. Puis là, je suis sorti et j'ai sauté. Où tu vas, là? Je vais prendre une douche au bain des nez. Ben, je t'accompagne. Pas torturé. Tu sais, cette arrestation me hante. J'arrive pas à comprendre. Tu crois que c'est Lydie? Tu crois qu'elle travaille pour eux? Dis pas de conneries, René. J'ai confié plusieurs missions à Lydie. Si elle travaillait pour les Boches, j'aurais été le premier à m'en apercevoir. C'est si embrouillé. Je ne dors plus. Tous les soirs, il faut que j'aille coucher dans une cellule, à l'école de santé. C'est un mauvais moment à passer. J'ai la trouille. Ils veulent que je donne des noms. Il faut que je balance. Sinon, ils ne me lâcheront jamais. Avant de faire quoi que ce soit, René, tu m'en parles. T'as compris? Qu'est-ce que tu feras? On trouvera bien une solution. Vous allez me mettre en quarantaine? Attends. On a pris une douche. Tu m'as raconté ton évasion. Tu es libre et en bonne santé. Moi, c'est tout ce que je sais. Tout ça doit rester entre nous. T'as sauté du train, tu t'es échappé. Et tu n'as jamais été arrêté. Vous connaissez René. La première chose qu'il m'a demandé, c'est de reprendre sa place parmi nous le plus vite possible. Et puis, il y a une autre bonne nouvelle. Le patron a enfin obtenu un avion. Et si tout va bien, Henri, tu partiras pour Londres dans 5 jours. Je vais demander au général de rappeler Max. Il décide de tout sans nous consulter, il réduit nos crédits, il nous traîne dans la boue. Bref, ses méthodes sont inqualifiables. D'Astier et Lévy sont déjà là-bas, les autres mouvements sont d'accord. Nous allons mettre De Gaulle devant un choix simple. Ce sera ou Max... ou nous. Et s'il ne comprend pas, tu peux lui dire que nous exercerons des représailles. Je n'y manquerai pas. Et j'espère qu'à mon retour, nous pourrons travailler dans de meilleures conditions. Pendant mon absence, c'est Pierre qui me remplacera. Personne n'y voit d'inconvénient, j'espère. Merci beaucoup. Ça n'a pas l'air d'aller. T'as des nouvelles de ta femme? Toujours rien. La fille à Marseille va à l'hôpital. T'en fais pas, je pense ça sur moi. La réunion aura lieu chez un ami. Il s'agit du docteur Dugoujon, place Castel à Maquelbure. Je l'ai vu, ça pose pas de problème. Vous prendrez rendez-vous avec Aubry. Vous le conduirez à la réunion. Je crois qu'Aubry n'est pas là en ce moment. Il est où? Je ne sais pas, j'ai laissé plusieurs messages dans sa boîte aux lettres pour les livraisons d'armes, mais je n'ai pas de réponse. Trouvez-le. Je m'en occupe. Je vous ferai signe dès que j'aurai des nouvelles. Rentre, j'en ai pour une minute. De Lestrin a été arrêté. Merde. Max cherche à te joindre, t'es au courant? Non, j'arrive de Marseille. Qu'est-ce qu'il veut? Réunir l'état-major d'armée secrète. Remplacer De Lestrin? Tu vois une autre explication? C'est un coup de force. Il veut nous prendre de vitesse. T'en es sûr? Évidemment! C'est la merde! La merde, la merde! Il y a une solution. Laquelle? Je vais pas à la réunion, comme ça il peut pas prendre de décision.
Mais t'es complètement fou. Il va nommer quelqu'un d'autre et on sera fait comme des rats. Ce chacal ne reculera devant rien. Qu'est-ce que je fais alors? Je sais pas! Tu vas aller à la réunion, je vais demander à Hardy de t'accompagner. Tu crois que c'est une bonne idée? Ce serait pas trop de deux, il se prend pour Dieu l'autre. Et puis il faut l'empêcher d'agir, t'as compris? Mais Hardy n'a pas été convoqué. Et alors, tu crois que Max se gêne pour nous faire des coups fourrés? Bon, faut que j'y aille, je vais être en retard. Tu vas où? Henri, je te signale que je me marie. Quel est l'ordre du jour? Il n'y en a pas. Alors pourquoi prendre le risque de faire une réunion? Pour voir comment on peut assurer le fonctionnement de l'armée secrète sans le général de l'Estrin. Je vous préviens, je pourrais prendre aucune décision avant le retour de Freinet. Ça ne regarde pas, Freinet! Il est chargé par les mouvements de s'occuper des problèmes militaires. L'armée secrète ne dépend pas des mouvements, elle est sous l'autorité du général de Gaulle. Vous n'êtes pas le général de Gaulle. Je suis son représentant. Plus pour longtemps. Qui vous a soufflé ça? Personne. Allez, viens, je vais te présenter quelqu'un. Voici Monsieur Hardy. C'est un Français qui a compris. Il travaille pour nous maintenant. Bon. Monsieur Hardy doit se rendre à une réunion des chefs de l'armée secrète. Il a un rendez-vous à 13h30 à la ficelle de la Croix-Paquet. Tu n'as qu'à le suivre et tu reviendras nous dire où il est entré. Si je peux faire quelque chose pour vous faciliter la tâche? Je ne vois pas comment. Bon, on peut convenir d'un code. Par exemple, si j'ai mon chapeau à la main, ça veut dire qu'on reste dans le quartier. Si je le mets sur la tête, ça voudra dire qu'on prend la ficelle. C'est une bonne idée, ça. Et si la réunion se tient dans un immeuble, je jetterai un paquet de cigarettes vides devant la porte de l'appartement. Alors, si tout est clair, à 13h30 à la ficelle? Qu'est-ce que tu fais là, toi? Il faut que je voie Max. Max n'est pas au courant, il va pas apprécier. On s'est mis d'accord avec son secrétaire, j'ai juste deux mots à lui dire. C'est un peu risqué. T'en fais pas, ça durera pas longtemps. Bon, on prend la ficelle. Bonjour, messieurs. Bonjour, madame. Venez. On vient pour la consultation spéciale. Ah. C'est au premier. Venez, je vais vous montrer. Je ne comprends pas. Le colonel Schwarzfeld est quelqu'un de ponctuel. Une demi-heure. On ne doit jamais attendre un rendez-vous plus de 5 minutes. Les voilà. Ah. Je suis désolé. Bonjour. Bonjour. J'avais mal compris l'heure du rendez-vous. C'est votre secrétaire qui m'a retrouvé. L'important, c'est que vous soyez là. Merci, Blanchard. De rien. Je retrouve au bureau, patron. Vous avez le renseignement?
Las Castellan, à Caluire. T'as du feu ? Non. Et qu'est-ce qu'ils foutent ? Ils ont trois quarts d'heure de retard. Docteur Dugoujean ? Oui. Police allemande, vous avez une réunion dans votre maison ? Venez. Pas un mot ! Debout ! Les mains là, face au mur ! Er sagt, er weiß nichts. Les mains en l'air! Allez, allez, allez! Vous aussi! Les femmes et l'enfant dehors! J'ai une rage dedans. Je suis venu consulter le docteur qui m'envoie chez un rhumatologue. J'ai un certificat médical. Je peux vous le montrer. Taisez-vous! Emmenez-les! Allez! Face au mur! Marchons! Vos papiers sont faux. Vous êtes Max. Je connais personne de ce nom-là. Qu'est-ce que vous faisiez ici ? Du marché noir. Du marché noir de quoi ? Tous les terroristes disent qu'ils font du marché noir ! Emmenez-le ! Votre vrai nom ! Nous savons tout sur votre armée secrète. Hein ? Je ne connais pas d'armée secrète. Nous connaissons tous vos boîtes aux lettres. Nous lisons tous vos messages. Hein ? Je ne sais pas de quoi vous voulez parler. Avouez que vous êtes Max ! Avouez ! Qu'est-ce qu'il a pensé ?
Wir nehmen alle mit. Max war nicht oben. N'ayez pas peur. Je n'ai pas peur, mais n'allez pas toucher un os ou un nerf. Nom. Martel Jacques. Je suis né le 22 août 1897 à Pékigny, dans la Somme. Profession ? Décorateur. Domicile ? 17 rue Ernest Renan à Lyon. Provisoirement la cellule 130 au fort de Montluc. Votre vrai nom, Martel, Jacques. Avouez que vous êtes Max. Et tout sera beaucoup plus simple. Ah oui. Je m'appelle Martel Jacques.
Cette fois, c'était pour rire. La prochaine fois, ce sera pour de bon. Dites-moi, qui est Max ? Dites-moi qui est Max et on arrête. Max. Max. Il faisait partie des gens qui étaient chez le docteur Ducoujon. Il était en bas. Voilà, comment va Max aujourd'hui? Hitler, das ist der Mann, den General de Gaulle geschickt hat, um den französischen Widerstand zu leiten. Kommen Sie mit in mein Büro. Bringen Sie ihn in eine Zelle im fünften Stock. Gratulation, Barbie. Ich wusste, dass Sie es schaffen würden. Ihr Gefangener ist in einem üblen Zustand. Wir haben ihn mit Nachdruck verhört. Er wollte nicht reden und nicht sagen, wer er ist. Hat er auch versucht, sich umzubringen? Jawohl. Ihre Aufgabe war es, Max festzunehmen, mehr nicht? Ich glaubte, das Richtige zu tun. Sie bringen uns in eine heikle Situation. Jetzt müssen wir ihn erst wieder in einen Zustand bringen, in dem er überhaupt reden kann. Das ist doch absurd, finden Sie nicht? Weil er noch nicht geredet hat, wenn ich Sie daran erinnern darf. Vous avez l'air d'avoir récupéré. Maintenant, nous allons pouvoir passer aux choses sérieuses. Nous avons établi une fiche sur vous. Vous pouvez vérifier? Vous avez un stylo? Oui, bien sûr.
Détachez-le. Réfléchissez, monsieur Moulin. Si vous acceptez de répondre, notre médecin vous fait une piqûre et il n'y aura plus de douleur. Conseil de la résistance. Les noms. Monsieur Moulin. Vous allez aujourd'hui? Vous avez vu le soleil? Il va faire chaud. Vous allez beaucoup mieux? Vos plaies commencent à cicatriser. Vous êtes gentille. Pas du tout. Vous avez une cicatrisation très rapide. Dans quelques jours, on n'y verra plus rien. Dans quelques jours, ils recommenceront. Mais non. Moi, je vous dis que vous allez rentrer dans votre... Vous allez manger aujourd'hui. Hier, vous n'avez rien avalé, c'est pas bien. J'ai pas la force. Moi, je vais vous la donner, la force. Vous allez voir. La dernière fois que je l'ai vu, il était dans un triste état. Mais lucide. Ils l'ont beaucoup torturé. Quelle importance. J'ai besoin de savoir. Il n'a pas parlé.
pensez qu'il va s'en sortir? Non. C'est pour ça que M. Moulin m'a dit de venir vous voir. Il a insisté pour que vous preniez des précautions. Vous avez des affaires personnelles à lui, il faut vous en débarrasser. Ça peut être dangereux. C'est très important pour lui. Il dit qu'il y a des traîtres partout. Et comme vous savez des choses, les Allemands n'hésiteront pas à vous arrêter. Je dois m'en aller, excusez-moi. Il m'a surtout dit qu'il vous aimait. Profondément. Mademoiselle, où est-ce que je peux vous joindre? C'est moi qui vous contacterai. Connaissez-vous Max dans cet homme? Comment voulez-vous que je reconnaisse un homme dans cet état? Berlin hat gerade angerufen. Das Reichssicherheitshauptamt verlangt die Auslieferung des Präfekten Moulin. Um ihn zu erschießen? Um ihn wieder auf die Beine zu bringen. Der Mann ist Minister im Nationalkomitee von de Gaulle. Sie wollen ihn als Geisel benutzen. Er macht es nicht mehr lange. Setzen Sie ihn sofort auf den nächsten Zug. Donner. Je vais les voir. La montre que vous voulez.